commissaire, les prélots. Messieurs, je vous souhaite une bonne course. 3, 2, 1, top. Merci, c'est pas grâce à la présidente, merci à tous les gens rouges, à très vite, nous voyons la dernière preuve. Très étiré, était rentré dans l'ordre, on l'avait vu au tout précédent, et que les choses, pour l'instant, là, c'est bien, c'est bien, pour l'instant. Il y en a un seul de Peltrax ou un deux? Je dirais deux. Je crois qu'il y en a deux. Eh Lucas! J'avais tué. Ça serait bien Antoine ça d'ailleurs. Thank you.
se relève. C'est pas Léo ça? C'est Léo? Non. Non. Heureusement, je peux penser que c'est. À 50 secondes, l'écart retourne à l'avantage du WTF car les deux hommes ont reperdu du terrain car l'écart sera de 58 secondes. Bientôt, non. Secondes de retard, voilà pour le peloton. Ça sort là. Allez, Antoine, allez! Ça commence pas mal, ouais. On va pas se dessiner. Ça remonte pas! C'est toujours le même qui roule. Ça va durcir, c'est pas trop long. Ah, mais ça va.
Allez Antoine, allez. Vas-y, c'est la bonne, Fait pour ça, ils ont un fort devant. Le poteau, ça va être les deux là. Et là, il envoie le lien. Oh, c'est un dossard. Ok. On dira. Ok. Hein? 34. 34? Et avec lui, c'est le 38. Ils vont les attendre, ouais, ils se relèvent. Allez Antoine, c'est lui qui s'est trompé. C'est qui lui? 35, 35 là. Il relance. Il est en train de relancer derrière. Ouais, c'est... C'est dehors. C'est dehors. J'ai pas dit que ça... c'est comme ça que ça allait se passer. Si, si, je crois que c'est lui en tête, le grand. Ou en cinquième position. Non, il est en premier. Non, le cinquième, il a de la barbe, c'est pas lui. Oh là là. Il leur remet une cartouche, il leur remet. Allez Antoine, c'est allez Antoine, allez. Il a revenu Allez Antoine! Deux secondes, messieurs, 32 secondes. Alors, on va que pour l'instant, l'équipe du Val-d'Oise, du Pac 95, qui va demander la fin, et bien se rajouter dans les secondes de l'année. Thank you.
Ouais, il y a plus là, pour l'instant, on va mettre un nouvel écart pour l'instant pour les hommes de tête. Pour l'instant, elle est parfaite entre les uns et les autres. Car le tout, maintenant, c'est le retour à deux tours de finale de tout adversaire. On va voir si l'écart va jouer à leur faveur. On sait que à tout à l'heure, couleur du PAN 95 a été représentée en tête de ce peloton. Est-ce qu'ils vont trouver des alliés pour essayer de condamner à l'échapper qu'un passage sur l'écart n'est pas encore un nombre gravissime. On peut encore se permettre de le réduire car 40 secondes, messieurs, 40 secondes de retard sur les 7 hommes de tête. 40 secondes, est-ce qu'il y aura une alliance au sein de ce peloton revenir actuellement. À 40 secondes, messieurs, de retard sur la tête de course. Non, pas... La présence du coureur de l'ACBB Pierre Mavier et encore des garçons qui naturellement ont tous leur chance d'aller chercher la victoire. Avec le dossard 98, on retrouve le sociétaire de l'ACMO qui est Florian Stouff. Avec le dossard 100 Saint-Gilly 106, on a naturellement la présence de Antoine Roche. Allez Antoine, allez Antoine, bon, allez mon gars, allez. Tranquille, il est bien, il n'y a pas de problème. Attends, deux secondes. Oui, il y a quelques instants, c'est vrai que les véhicules qui se retrouvent juste derrière ce groupe d'échappés disaient on ne voyait pas encore le peloton apparaître. Et c'est vrai que les 5 derniers kilomètres tirent à ce que seront les forces qui auront encore les capacités d'essayer de revenir. Car l'écart, certes, il reste à la hauteur des 20 secondes. 20 secondes seulement de retard pour le peloton. Un peloton qui pourrait espérer, dans ce dernier tour, se rapprocher du groupe de tête. Voilà une situation qui, pour l'instant, les pronostics, on sait que Mathieu Legros très en forme actuellement. Le dernier vainqueur, mais pour l'instant, voilà son multi. Non, bah, ça s'est rapproché tout cela. Il n'y a plus vraiment de courant. C'est le final. Je vois un maillot plutôt bleu. Est-ce que c'est le BC du Bourget avec Thibaut Bialat des Hautes? On va confirmer tout Antoine, ça. Allez Antoine, bon, allez Antoine. Et ici. C'est Nojac. Nojac. Thibaut Nojac. Bravo. Bravo. Super Antoine, super. Et oui, Thibaut Nojac, le cours du BCAB devant pour l'instant. Tu vois, c'était un couleur bleu, mais pas vraiment du blanc. Antoine 2. Antoine 2. Attention, ça va arriver vite, les gars. Écartez haut, là. Attention, là. Attention, là, ça arrive vite. Ah, ça y est. Allez, Cyril. Vas-y. Salut Lucas. En revenant maintenant sur les trois premiers, la victoire pour Thibaut Nojac, le coureur du VSAB. Second, on retrouvait Antoine Roche, le coureur d'Argenteuil-Val de Seine.